Climanière, vous espérez autres bien. Bienvenue dans le journal, nous sommes le vendredi 30 juillet. Au sommaire de votre journal, on revient, eh bien oui, sur ce nouveau parti politique. Un parti politique qui, vous le verrez, a fait un petit plagiat, quoi dire. Mais on revient sur cette affaire dans le journal. Alison Moutien a été à un meeting de ce nouveau parti. Il nous revient avec son reportage. Nous aurons bien évidemment le bon deal de John. Et bien sûr, la minute experte qui viendra sur notre plateau. Il s'agira d'une responsable en communication de ce nouveau parti politique. Elle sera sur le plateau avec nous. Et on finira ce journal avec la météo de Lydia Non. Mais qui dit journal dit... une fausse pub. Te bévisez un logo, te presser, te paresse, te pas connaître qui te pour faire, contactez-moi. Moi, je fais un logo. Je fais un logo pour toi, dresser carré, terminer trop beaucoup. Mettez un dressing paper, te l'en logo rond, je mets un groupi. Te l'en logo carré, je mets 10 groupi. Après, sinon, je prends le logo dans l'internet, je retrace. Comment tu as watermark facile, je mets un petit kit au gaz, water là évaporé, mort là allez. Te paresse, tu vas pécar faire le logo, binguette moi, m'oublie pas respiratoire. Il y a quelques jours maintenant, a été lancé un nouveau parti politique, le Rassemblement Mauricien, dont voici le logo. Mais beaucoup du monde, il a remarqué comme ça qu'il y a une petite ressemblance avec un autre parti politique d'un autre pays, en voici le logo. Oh, y aurait-il pas comme si dirait comme si des coïncidences un peu hein, un peu pareil. Rassemblement national de Marine Le Pen a pour symbole une flamme. Oui, alors oui, c'est la flamme pas trop pareil parce que c'est pas la même flamme, c'est pas même diffé. Peut-être là-bas il fait plus froid, la flamme est un petit peu plus petite. Mais c'est pas là le problème. Parce qu'il y a d'autres membres de la communauté mauricienne même qui avaient créé des groupes politiques qui utilisait quasiment le même symbole, et même Ndjimoun, qui a déjà créé le Rassemblement Mauricien. Alors comment toutes ces coïncidences-là, alors qu'on lance un nouveau parti politique, nous avons voulu rencontrer l'assistant de ce leader, qui, on peut le dire, doit défendre cette personne qui a créé un parti un petit peu copy-paste. Reportage. Aujourd'hui dans le journal, nous rencontrons l'homme de l'ombre du Rassemblement Mauricien. Celui qui a tout pensé. La tête pensante du parti politique. Il y avait dit dans le bureau, voilà l'équipe dynamique du Rassemblement. Bonjour. Alors bonjour monsieur Leno Galais. Bonjour. Présente-nous ou même et présente-nous au concept. Alors... Bien, d'abord, merci pour votre présence et merci d'être venu nous dans ça, dans sa bureau dynamique là. Comme dit nous lead, Nambo Dutka, l'Indien lui-même, ask not what the country can do for you, but ask what you can do for your country. Non, ça c'est John Kennedy. Non, il n'y a pas John Kennedy, moi quoi, il n'y a pas le royal, qui connaît Zina, non, il n'y a pas John Kennedy, non. Ouais. Ok. Voilà, mais qui vous prosez pour le pays, hein? Vous connaissez, nous prosez vraiment les... Comme dit nous leader, Nambo Dutka, l'Indien nous comme ça. Vous connaissez, I have a dream. Non, ça c'est Martin Luther King. Non, je ne vais pas le film là. Et l'Indien nous, I have a dream that one day, we will all get to be equal in rights. Mais ça c'est toujours Martin Luther King. Vous ne faites jamais pas de film là. C'est pas bon. Ouais, c'est ça nous prose. Hein. Et les, des fois, les mêmes disent. Mais là, c'est Chewbacca. Non, ça c'est nous leader, Nambo Dutka, quand il est levé. Il est motos sans mari, inspiring, quand il baille, il fait ça. C'est le son d'un leader. Mm-hmm. Ouais. Qu'est-ce que nous leader un peu plus, hein? Vous connaissez, nous leader, nous capables de dire que. C'est comme il le dit si bien,
Hakuna Matata. Non, ça c'est dans le Roi Lion. Attention, là où on peut commencer un peu à merde, moi. Hein? Parce qu'il ne peut pas faire cause d'un Rambula, ici. Hein? Nici, nous peut cause d'un Bodotia. Nous pas faire cause d'un. Le pas de le Roi Lion, bien là. Hein? Le lion est bon ce soir, quoi. Enfin, toujours le voile. Anyways, un mot de la fin? Bien sûr, comme nous lui donne un Bodotia, habitué dire. C'est une phrase latin qui dit Wingardium Leviosa. Beauté. Cosa Harry Potter, c'est un coup. Harry Potter, Harry Potter, oui. N'allez pas de poste candidat contre nous, non, on va connaître. Merci. Merci vous-même. Et ça fait moi-même rappeler une phrase de nous, leader, qui dit je suis ton père. C'est un plaisir, cadeau. Originalité, c'est nous. Alison Moutier, notre reporter sans frontières, a été au meeting politique de ce tout nouveau parti. Justement, Alison, bonsoir. Bonsoir, mec. Alors, Alison, qui est capable de dire sur la création de ce nouveau parti politique-là? Vincent, meeting-là, pas vous la peine du tout. Nous, connaissez votre suivant un camarade? Il a même moins d'un base. Il fait moins de descendants sous sol. Hé, où est-ce que ça va, Zahara? La lumière partout. Partout, et là, vous connaissez mon petit manche là qui avait dans le computer là, c'est qui se passe en délou, tout ça là, après le monstre, ce paquet était là là. Bien, ça. Hé, quand vous êtes arrivé. Qu'est-ce que Alison, que tu étais? Mais où Jamal, c'est pas qui meeting, mon meeting, oh, caca mode là. Alison, où tu bizarre, elle dans meeting, sa nouveau parti politique là, où. Oh, on a dans sous-sol, sa boug là, sa boug qui te plante, man meilleur. Mais est-ce que je peux quoi nous affaire, c'est-à-dire? Vous savez, quand on a des loups là, on est là-haut, là-bas. Là, il passe là, on va me trouver là, mais un tuyau, il passe là, il est tombé. Donc, chaque tuyau, il y a un trou. Quand chaque trou là, il a la lumière. Quand il a la lumière, il faisait la lumière, il faisait un peu frisseur, un peu différent, ça qui était. Vous comprenez? Là, quand on rentre dans la plante là, fouf! Vous connaissez, il y a un processus qui s'appelle curing. Ça curing là, ça même qui faisait. Mais Alison, me tiens voyou danseuse, moi, dans pour lui pour le lancement. Restons. Oui? À vous, les studios. Merci, Alison. Me tiens à grand retour la semaine prochaine. Pour... Ok, tout de suite, le bon deal de John. Le bon deal de la semaine vous est présenté par Simfinance. Nous ne cause la Sam, nous ne cause pressée, Zodi nous pour cause Nana. Mais pas le Nana en lui-même, non, non, non. Car aujourd'hui, dans le bon deal, nous allons parler du Cortina Dinner Set. Ce dining set se constitue d'une table et de 6 chaises. Oui, c'était la fin de ma phrase. Cette table a un tabletop en MDF d'un light brown. Mouah! Exquis, combiné à des pattes métallisées noires et or pour un look branché. Les chaises sont en velours d'un rouge léger, sublimissime, pour donner de la personnalité à votre dining room. Combinez le light brown de la table et le rouge velours des chaises et vous obtenez un dining set qui se veut être la star de votre intérieur et vous offre un confort imprenable à ce prix-là. Et justement, parlons du prix. Le Cortina Dinner Set ne coûte que 11 999 roupies. Il est disponible dans les showrooms de Côtes Mammouth. Et si vous avez envie de checker online, n'est que tape sa reference code là dans le search bar de côtesmammouth.mu. Et votre partenaire de choix, c'est bien sûr Simfinance qui vous aide à financer cet achat. Dans ce cas-là, cela ne vous coûtera que 1066 roupies par mois pendant 12 mois sans le Credit Protection Plan et 1102 roupies par mois pendant 12 mois avec le Credit Protection Plan. Et comme d'habitude, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre bon deal avec Simfinance. Peace! Financez votre achat avec Simfinance et bénéficiez de nos facilités de crédit allant jusqu'à 48 mois. La vie avance avec Simfinance. Accueillons à présent sur notre plateau eh bien, l'experte en communication qui se charge justement de la communication de ce nouveau parti politique. Il s'agit donc de Madame Jacom. Madame Jacom, bonjour. Oui, bonjour Vincent. Alors Madame, vous avez été responsable de toute la communication du lancement de ce nouveau parti politique. Est-ce que vous pouvez expliquer, est-ce que vous pouvez comprendre que les gens soient assez surpris, surtout par rapport au, à la ressemblance entre le Rassemblement national de Marine Le Pen et le Rassemblement mauricien de Nan de Baudin? Vincent Duverger, laissez-moi vous dire... Voilà. Ouais, c'est...
Franchement, j'ai pas les mots. Je comprends pas. Mais, Madame Jacob, quand même, il faut quand même toutefois dire, quand vous avez fait ce symbole qui est la flamme, il y a d'autres mouvements politiques à Maurice, notamment celui de Vincent de Benoîri, qui avait cette flamme. Pourquoi avoir repris la flamme? Ok, on a repris la flamme. La flamme, il est là quand elle a fait feu. Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets un emoji feu? Mais ce que c'est ça? Allô? Donc, la flamme n'est pas appartenue à personne. Hein? Nous met du feu dans Carocan, nous met du feu partout. Or. Pour revenir justement à la ressemblance avec le Rassemblement National de Marine Le Pen, on sait Marine Le Pen, c'est pas des gens qui peut, nous qui peut-être par connerie, Marine Le Pen c'est une politicienne en France, il y en a une politique nationaliste, autrement dit de refermer le pays sur la population française, histoire de dire la France aux Français. Est-ce que vous, pour le coup, la politique du Rassemblement mauricien, c'est de dire Maurice pour Mauricien et les esclaves albertains? Vincent, laissez-moi vous dire, jamais je suis allée en France, moi. Oui, je parle un peu française, mais jamais je suis allée là-bas. D'accord. J'ai jamais allé à la France. Comment vous pouvez dire j'ai copié les affaires que j'ai jamais vues? Mais la politique même de ce parti politique, vous, c'est pas la même chose alors, hein? C'est pas... Mais non, c'est pas la même chose. Où ça y a ressemblance, là? Où ça? Dites-moi où ça? Ben, le logo est quand même très proche, parce qu'en plus ça, le logo du Rassemblement National, le R et le N s'écrivent presque pareil que le R et le M du Rassemblement Mauricien. Vincent, au Pavac, qu'ils nous ont causé un logo? Un logo, c'est un logo? Où vous travaillez comme ça au travail? Pop TV. Pop TV. Pop TV fait un logo rond. Alors, elle le dit, moi, fait un logo rond. Logo rond, non? Le mot logo oui. Rond. Elle le dit, moi, fait un logo rond. Ça veut dire logo là pareil? Moi, mon vie fait une capsule, ça veut dire tout bousson, tout ça fait pou. Tout ce qui rompt pour soleil, pou. Mais prends tout, prends la terre rompt pou. Oh. Merci, madame, madame Jacob. Plaisir, plaisir. Tout de suite, la météo de Lydia Nunn. Ma chère, t'es bien enflé aujourd'hui, hein? Oui, t'as opé, t'moun commence une petite plantation. Depuis moun commence que dit moun fait ça sur internet, moun trouve que tu fais une plantation dans ce sol, mais tu la lignes, tu ventilates, tu sens la bien que casse moun fait pareil. T'en es moi dénonce, toi non? Hé, gars, droit plante flé soleil, hein? Mais qui ça la plante flé soleil dans ce sol, Lydia? Non, mais bon, mets ça là où la casse, t'as pas du moun pour voler, hein? Isoli, ça va mettre la graine assez, arrose ça! Rolling! Bonsoir et bienvenue pour la météo, prévision pour les prochaines 24 heures. Comme vous le voyez, inutile de parler du temps. Tout du monde est portable, tout du monde est windy. Nous tout connaissons qu'il y a une grosse applique pour craser l'homme au risque comme d'habitude ce week-end. Côté température, il fera très froid comme d'habitude. Qui fait parce que ça anticyclone là? Pas aller, il fait nique dans Maurice. Donc, mon conseil, c'est que y'a un petit du riz, mette un petit lentille avec un petit de poisson salé pour que ma diète blie sa suppression là. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée sur Pop TV. Mes compliments aux parents, bye! Et avant de vous quitter, vous savez ce qui vous attend. Il s'agit de l'info inutile qui vous sera peut-être un jour utile, on ne sait jamais. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la voix, eh bien, de notre Premier ministre. Et bien dire qui en rive li dure 2 à 3 secondes uniquement. 10 2 à 3 secondes uniquement. Donc quand dans parlement ben n'a pas pédomi, je peux faire beaucoup rive. Hein? Et voilà, c'est ici que l'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition, en tout cas j'espère. D'ici là, vous le savez, restez fous, c'est comme ça qu'on vous aime. C'est un joke, s'il vous plaît. Okay. Merci, peur.